Les notes. Donc bonjour à tous, je m'appelle Romain et dans cette vidéo, je vais vous présenter donc cette nouvelle chaîne YouTube que je vais sortir, moi et un ami à moi, dont je me présente. Je me présente, je m'appelle Henri. Je m'appelle Romain, j'ai 20 ans, je pratique la musculation et le street workout depuis maintenant quelques années. Donc la musculation, ça va faire bien 3 ans que je m'y suis mis sérieusement, sachant que j'en faisais un peu avant, mais vachement irrégulièrement. Et le street workout, ça va faire un an et demi, 2 ans max que je me suis mis au street workout. Donc je vous invite également à vous rediriger vers mon compte Instagram qui va s'afficher juste là, donc Romain Gino, dans lequel je partage ma passion pour ces deux sports, dans laquelle je vous mets en scène des entraînements ou alors des photos plutôt stylées. Ok, donc quel va être le concept de cette chaîne YouTube? Alors il faut savoir que je travaille sur cette chaîne YouTube avec un ami à moi, Sacha, que je vous présenterai probablement dans une prochaine vidéo. Vous allez me voir moi principalement dans les vidéos, en tant qu'acteur des vidéos, mais il faut savoir que j'ai donc un pote à moi, Sacha, qui travaille aussi derrière la caméra, sur les ordinateurs, montage des vidéos auxquelles il participe, ou alors les idées de vidéos, etc. Donc quel va être le concept de cette chaîne? Alors sur cette chaîne, on va retrouver premièrement des trainings que j'effectue, que ça soit en musculation ou que ça soit en street workout. On va essayer de mixer un peu les deux vidéos. Vous allez retrouver également des conseils de nutrition, des conseils diététiques, des exemples aussi d'alimentation, de compléments alimentaires que vous pouvez prendre, qui va permettre d'améliorer vos performances, d'améliorer vos résultats, que ça soit dans les deux sports différents, donc musculation, street workout. Et on va essayer également non seulement de vous apporter des informations pratiques, que ça soit pour les trainings ou pour la diète, mais également de vous apporter des informations intellectuelles, c'est-à-dire que vous mettre à la fin de la vidéo eh bien des anecdotes que ça soit pour la culture du sport, des performances, des records, mais également des informations scientifiques qui pourront donc vous être bénéfiques pour votre progression. Voilà, donc c'est ce que vous allez retrouver dans cette chaîne YouTube. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, hop. Ça va rien dire.